Shalom à tous, ici pour vous l'apôtre Michael Ibonifelo, pasteur principal du centre de réveil Impact Hall. Je passe par cette vidéo pour vous annoncer que le centre de réveil ouvre enfin ses portes. Et je vous invite nombreux à venir participer à nos cultes qui se dérouleront chaque samedi à partir de 11h, de 18h à 20h30. Je vous invite très nombreux que vous soyez politiciens, militaires, hommes d'affaires, entrepreneurs, enseignants, étudiants, élèves, femmes au foyer, pères de famille, venez très nombreux pendant ces cultes afin de connaître en profondeur la pensée de Dieu en rapport avec votre domaine d'activité. Nous serons en train de développer un sujet qui a trait à l'impact dans toutes les sphères de la société. J'ose croire que le Seigneur nous fera énormément du bien pendant ces cultes. Ne manquez pas, venez en famille, amenez les malades, les cas compliqués, par la main de Dieu sera aussi au rendez-vous. Nous serons très heureux de vous accueillir au centre de réveil Impact Hall de Paris. Alors, on se dit à très bientôt. Shalom à vous. Évidemment, c'est à ce culte, ce premier culte du centre de réveil que vous avez été convié. C'est donc lui le visionnaire, c'est celui à qui Dieu a confié la mission, la charge de pouvoir restaurer les familles et impacter, équiper les saints. Amen. Ce sont là les deux mots maîtres du centre de réveil. Nous nous retrouverons à chaque fois en ce lieu, à chaque fois que vous entendrez parler du centre de réveil, sachez que les mots clés sont la restauration et l'équipement des saints. Amen. Nous nous retrouvons dans un lieu de restauration, dans un lieu d'équipement. Amen. Alors, il y sert le Seigneur depuis plusieurs années sous l'autorité de ses parents dans la foi et ses autorités spirituelles, le révérend Jean-Paul Kanyaka et la prophétesse Florence Kanyaka, qui se retrouvent actuellement au pays. Nous bénissons Dieu pour leur vie. Il a reçu du Seigneur Jésus un message centré sur la restauration et l'infiltration de l'Église dans la société. Par ailleurs, il est détenteur d'un diplôme de licence en gestion de ressources humaines et de deux maîtrises en travail et emploi ainsi qu'en management de ressources humaines. Il a également étudié la théologie dogmatique à l'université de Logos, ici à Paris même. Aujourd'hui, il est consultant dans le recrutement IT, mais également éditeur à la maison d'édition universitaire européenne, dont il est auteur d'un livre intitulé « La gestion des conflits pour les managers RH ». Disponible sur Amazon, vous pouvez vous en procurer. C'est un très beau livre à lire, je vous le recommande. Disponible sur Amazon, donc vous pouvez chercher. Et la publication d'un autre livre qui est encore en ce moment en attente de publication, Autour de la prière. C'est ça le titre, Autour de la prière. Combien bénissant sera ce livre? Nous l'attendons tous. C'est plus qu'une question de formalité. Vous aurez les informations y relatives. Maintenant,
Aujourd'hui, nous sommes présents pour le lancement de cette grande vision, ce beau bébé qui est né, le centre de réveil Impact Word. Nous nous retrouvons ici parce que Dieu a donné la mission à un homme et cet homme a obéi. Cet homme a entendu la voix du Seigneur et il s'est donné la tâche de bien accomplir ce que Dieu lui a recommandé. Amen. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Dieu lui a certainement parlé pour la vie d'une personne. Amen. Le centre de réveil existe parce qu'il y a des familles à restaurer. Le centre de réveil existe parce qu'il y a des saints à équiper. J'aimerais qu'aujourd'hui, que tu aies une mentalité, que tu aies une phrase dans ton esprit, que tu réussisses à dire, c'est de ma famille qu'il s'agit. J'aimerais que tu te le dises pendant le culte, que c'est de moi qu'il s'agit. C'est moi qui dois finir impacté. C'est moi qui dois finir affecté par la puissance de Dieu aujourd'hui. J'aimerais que tu te le dises le long du culte. Peu importe le bruit que tu entendras. Peu importe. J'aimerais que tu gardes ça dans votre esprit. Dieu le fera certainement. Pour toi et ta famille. Amen. Il le fera. Il le fera. La Bible dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je crois que vous serez des passerelles du salut pour vos familles. Je crois que des personnes ici sont des ambassadeurs de leur famille. Je crois que des personnes ici sont venues présenter le nom de leur famille. Je crois que des personnes ici sont venues présenter leur vie devant le trône de Dieu. Dieu ne vous laissera pas tel que vous êtes venu. Je suis en train de dire que Dieu ne vous laissera pas tel que vous êtes venu. La parole de Dieu est-elle une pluie? Lorsqu'elle tombe, nul ne reste indifférent. Nous finissons tous mouillés. Je suis en train de dire que tout le monde ici finira mouillé par la parole, la quantité de la parole qui sera libérée. Je suis en train de déclarer sur ta vie que tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire, de réussite en réussite, de succès en succès. Et c'est ton partage dès aujourd'hui, puisque tu as pris la sage décision de te rendre ici au centre des réveils. Dieu le fait pour toi. Je veux maintenant que nous puissions nous lever. Nous allons nous lever. Tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, je veux que tu me parles. Tu vas dire, Seigneur, je veux que ce message soit mon message. Je veux, Père, que ce message soit mon message. Peu importe le temps que je passerai ici, que ce soit 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes de parole, je veux que ce message soit mon message, que tu parles directement à mon cœur. Je veux, Père, que cette puissance qui sera libérée soit la mienne. Je veux, Père, que la guérison qui sera libérée soit la mienne. J'aimerais que tu pries. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu, je veux que cette parole soit la mienne. Tigedo shatadabayash. Ete osefli de boshananamaï de closeva. Ratu de gedebo shatadabaya. Les efflets de Gedeo Shotovli de Gebashata. Prie de tout ton cœur, il s'agit ici de ta vie et pas celle d'une autre personne. Est-ce que tu peux simplement élever encore ta voix et commencer à le dire avec certitude? Dis-le comme si tu t'accaparais de la parole qui doit sortir aujourd'hui. Dis que c'est ta parole à toi. Dis que c'est ta saison, c'est ton temps d'être équipé, c'est ton temps d'aller dans les nations et il te faut l'affectation du jour. Rablo shatadabaya, le esopli de Giyava, radadadadabo shata, edeblo shata, tedededebo shete deblo sadagali valia, rededebo shata, pladadadabo shata, ekedegebo satadabayash. Éternel Dieu de grâce, béni sois-tu, ô Dieu, parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur d'avoir rendu possible ces moments. Merci ô Dieu parce que tu as permis à mon frère, ma sœur de se rendre en ce lieu pour pouvoir entendre ta parole, pour pouvoir être équipé et transformé par toi. Seigneur, je prie, Père, que ce jour, Seigneur, ne soit pas semblable à d'autres. Que ce jour soit le jour
où tu as décidé de bénir une famille, de restaurer une vie, je prie que tu le fasses. Plusieurs sont venus en ce lieu avec des cœurs déchirés. Plusieurs sont venus en ce lieu alors qu'ils vivent à couteau tiré avec les membres de leur propre famille. Je prie, Père, que ces familles finissent restaurées par la parole qui sera libérée aujourd'hui. Je prie, Père, qu'un esprit du royaume, au-dessus de tout esprit, puisse être libéré en ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, je rends captif à l'obéissance de ton nom. Seigneur Jésus, tout esprit ayant objectif en ce lieu d'égarer les pensées, de semer la distraction, les voyages des pensées, je suis en train de les rendre nuls et de toute nullité au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père, laisse que les oreilles s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent et que le message soit véhiculé avec puissance et autorité. Seigneur, emménage une place dans les cœurs de tout un chacun. Père, pour que soit semée la parole, la semence de vie, au nom de Jésus-Christ. Ensemble, comme un seul homme, on dit gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur des Seigneurs? Alors que s'approche l'apôtre Michaël Ipolifele, le père de la maison, il est là, il va nous parler de la part du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, le père d'autrui, on l'acclame pas comme ça. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? J'aimerais que tes acclamations soient des acclamations de joie. Je suis en train de voir le voyant, je vois le cordon, je vois le berger Lévi, je vois tout le monde, je vois la sœur Grâce, ma fille Juliette, je vois le berger et toute l'équipe. Pour ceux qui sont absents et qui nous suivent en ligne, que Dieu vous bénisse abondamment. Mais je bénis le Seigneur aussi pour ma famille. Il y a mon frère biologique qui est là, il y a mon autre frère encore qui est là, il y a ma belle-sœur qui est là, et je bénis le Seigneur pour votre présence ici. Je vois tous ceux que j'encadre aussi dans la foi, je vous ai vu, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais je ne peux pas prêcher ce soir sans honorer quelqu'un. C'est quelqu'un qui m'a permis justement d'être devant vous. C'est mon père dans la foi. Je suis très émotionné de parler de lui. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Waouh, est-ce que je saurais parler de lui ce soir? C'est quelqu'un d'extraordinaire, et quand je pense à d'où il m'a pris, quand il venait me prendre chez moi à la maison, je crois qu'il était 2012-2011 même, et par sa grâce, il a semé des choses en moi. Il m'a appris la prière, il m'a appris le jeûne, il m'a appris à servir Dieu. C'est par lui que j'ai été baptisé d'eau, mais aussi par son imposition des mains, j'ai reçu les baptêmes du Saint-Esprit. D'où même cette grâce jusqu'aujourd'hui m'accompagne. Mes enfants aussi spirituels, beaucoup par moi, reçoivent la même grâce qu'il m'a communiquée. Et j'ai connu des temps difficiles aussi dans ma vie. Mais pendant les temps que j'ai connus, il y avait la semence qu'il avait implantée en moi, qui ne cessait de crier que j'étais appelé pour ces choses. Et par sa grâce, il a permis à ce que mon ministère soit reconnu. Et aussi me donner l'approbation, parce que ça fait déjà plus d'un an et demi que le Seigneur nous a parlé du centre de réveil. Et on attendait seulement l'approbation de Dieu, le go, les temps de Dieu, mais aussi son aval et son autorisation. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que lui, il a écouté Dieu, parce que je sers aussi son Dieu. C'est par son Dieu que je suis là, et il m'a dit, tu peux maintenant commencer le centre de réveil. Est-ce qu'on peut s'éteindre debout pour bénir le Seigneur, pour mon père dans la foi, mon père spirituel, le pasteur Jean-Paul Kanyaka? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie ce soir? Alléluia. On prend place. Est-ce qu'on est prêt pour décoller? Ok, je parlerai pendant quelques minutes et puis nous allons prier.
Le thème de ce soir, c'est libérer l'esprit du royaume. Je vais plutôt nous inviter à lire deux ou trois textes. Je suis dans 1 Jean 4, 14. J'ai lu au nom du Seigneur. Et nous l'avons vu. Et nous rendons témoignage que le Père a envoyé le Fils pour être sauveur du monde. Dis avec moi, sauveur du monde. Lisons Hébreux 11, 3. C'est un texte que nous connaissons. Que Dieu nous fasse du bien. Hébreux 11, 3. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn et qu'il obtient témoignage. Non, 11.3. C'est par la foi que nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que les choses qui se voient n'ont été faites des choses qui ne se voient pas. Une autre version dit, c'est par la foi que nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, et en sorte que les choses visibles tirent influence des choses invisibles, ou encore tirent impact des choses invisibles. Et le troisième texte, on ne va pas le lire, c'est un texte que nous connaissons, Actes 1:8. Jésus est en train de dire, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Dis avec moi, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. D'emblée, j'aimerais rapidement épingler une réalité. C'est que nous vivons dans un monde où chacun est appelé à accomplir quelque chose. Le fait d'accomplir quelque chose, ce n'est pas seulement une volonté. Le fait d'accomplir quelque chose, ça fait partie des choses incorporées dans la création de l'homme. Lorsque tu as envie de réussir, lorsque tu as envie de faire quelque chose, lorsque tu as envie de percer, ce n'est pas seulement que tu es enflammé, mais c'est l'architecture des dieux, dans les composantes de l'homme, qui fait en sorte que tout homme sur la terre ait un désir d'accomplir. Ce n'est pas forcément un fardeau. Ce n'est pas forcément un appel, mais c'est quelque chose qui est déjà dans la nature de tout humain sur la terre. Alléluia. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais parler de l'influence qui va introduire mon message de ce soir. En rapport avec le souci d'accomplir quelque chose, en rapport avec les désirs d'atteindre certaines dimensions, nous sommes appelés à des actions. Nous sommes appelés à faire des choses. Tu ne peux pas vouloir atteindre une dimension si tu ne te mets pas en action. Tu ne peux pas vouloir arriver à certaines destinations si tu ne t'embarques pas pour y aller. Alléluia. Lorsqu'on veut atteindre certaines dimensions avec Dieu, lorsqu'on veut atteindre certaines dimensions dans la société, on est appelé à accomplir certaines choses qui émanent de ce qu'on appelle la loi de l'acquisition. Sur la terre, tu ne peux pas acquérir de choses si tu ne payes pas le prix. Si toi, tu ne payes pas les prix, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye les prix à ta place. Mais rien sur la terre ne te sera donné sans pour autant qu'il y ait une action au préalable. Alléluia. Parce que c'est l'action qui mène à la position. Tu dois faire des actions pour avoir un positionnement. Alléluia. Et en rapport avec les actions, on ne peut pas parler des actions si on ne rebondit pas à l'influence. Alléluia. 98% de nos actions sont dues à des influences d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Il y a des enfants aujourd'hui qui prennent des professions simplement parce que ils ont subi une influence de leurs parents, par exemple, qui fait des études, qui est avocat, et lui, il veut à tout prix faire le droit pour devenir comme son père. Parce que les actions sont souvent dues à des influences.
et le domaine de l'influence a un rapport très étroit avec notre proximité. Le domaine de l'influence a un rapport très étroit avec notre environnement ou encore notre point de contact. Très souvent, les personnes qui t'influencent ou des personnes qui t'apportent un impact, ce sont des personnes que tu connais, ce sont des personnes avec qui vous avez quand même une relation. Alléluia. Alléluia. Très souvent, ce qui nous influence, ce sont des choses qui ne sont pas loin de nous. Lorsque vous lisez les témoignages des grands athlètes, des gens qui ont reçu, qui ont réussi dans la vie, si vous demandez comment ils ont fait pour être là, très souvent ils vous diront que j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont influencé. J'ai dû lire un livre de quelqu'un qui m'a impacté. Comme j'ai parlé avec un prophète hier qui m'a dit, moi en 95, c'est le livre de Benny Hinn, Bonjour Saint-Esprit, qui m'a impacté. J'ai reçu une visitation parce que d'une manière ou d'une autre, les actions qu'on pose dépend de la proximité que nous avons. D'où nous pouvons comprendre que la proximité peut nous apporter des bonnes actions ou encore des mauvaises actions. Alléluia. L'entourage peut nous pousser à décoller ou encore à rétrécir. Et dans le domaine de l'influence, il y a plusieurs degrés d'influence ou encore des sources d'influence. Alléluia. Il y a plusieurs, je ne sais pas si je dois les dire ainsi, plusieurs niveaux d'influence. Il y a premièrement l'influence familiale, l'influence qu'on reçoit dans la maison de notre père. Vous pouvez le voir dans la tradition juive très souvent, lorsque le père était pêcheur, les enfants aussi étaient des pêcheurs. Lorsque les pères étaient cultivateurs, les enfants aussi étaient des cultivateurs. Vous pouvez le voir avec André, vous pouvez le voir avec Jacques, vous pouvez le voir avec David, avec beaucoup des hommes dans la Bible, dans la tradition juive qui ont reçu l'influence familiale pour accomplir quelque chose. C'est que cette influence les a menés à des actions, soit pour réussir, soit pour échouer. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle l'influence nationale, l'influence qui peut être rattachée à un pays. Très souvent, lorsque tu es dans un pays, d'une manière ou d'une autre, il y a une influence de la nation qui va t'impacter. Par exemple, en Chine, lorsque vous regardez les étudiants chinois ou les enfants chinois, vous verrez que ces enfants-là, là, à 90%, la majorité s'oriente à des études de nouvelles technologies parce que la nation a une influence sur la carrière des enfants. Vous pouvez le voir, par exemple, en Grèce. Lorsque vous arrivez en Grèce, vous verrez la plupart des enfants en train de faire des études de lettres parce que la Grèce est un pays de philosophes. La Grèce est un pays de philosophes légendaires. La mythologie grecque, c'est une histoire légendaire qu'on étudie à l'école et les enfants de cette contrée subissent une influence comme aux États-Unis en termes de sport. La plupart des enfants s'étonnent par exemple au basket parce que la nation, le sport de la nation, c'est les baskets. Alléluia. Mais il y a aussi une influence continentale où vous pouvez le voir dans plusieurs pays. Par exemple, ici en Europe, avec l'espace Schengen, vous verrez que dans beaucoup de pays, au niveau administratif, c'est des choses similaires. Lorsque vous êtes en France, vous verrez certaines choses, les métros, la police, l'administration, les permis et tout ça. Et lorsque vous allez dans un autre pays de l'espace Schengen, vous sentirez que ces pays sont en train de subir l'influence du continent, l'influence du système. Le continent fait en sorte qu'on y va dans cette direction. Et même en termes de décisions, ils décident ensemble. Là, on a fermé les frontières, mais ce n'est pas seulement la France. C'est aussi l'Allemagne qui a fermé les frontières, c'est aussi l'Espagne qui a fermé les frontières, parce que le continent a un impact sur la vie de ceux qui habitent le continent. Alléluia. Mais il y a aussi un degré d'influence, et je commence mon message à partir de là, c'est ce qu'on appelle l'influence des systèmes. Dis avec moi l'influence du système. L'influence du système ou encore l'influence du monde. La Bible est en train de parler, c'est ce que le livre de Hébreux est en train de nous dire, que les choses que nous voyons, les choses visibles, tirent origine du monde invisible. Les choses que nous palpons tirent influence, tirent impact du monde invisible. C'est-à-dire, c'est le monde spirituel qui permet en sorte que tout ce que nous sommes en train de subir ait forme. Tout ce que nous sommes en train de subir pousse à arriver. Et le monde spirituel n'influence pas seulement directement la famille.
Le monde spirituel n'influence pas seulement directement les individus, mais le monde spirituel influence les mondes, parce que l'hébreu est en train de parler des choses visibles. Il est en train de parler des familles, des continents, il est en train de parler des sept montagnes. Et le monde spirituel, l'influence qu'apporte le monde spirituel, c'est une influence universelle. C'est une influence qui entre dans les familles, c'est une influence qui entre dans la politique, c'est une influence qui entre dans les arts et loisirs, c'est une influence qui entre dans les médias, c'est une influence qui entre dans les affaires, c'est une influence qui entre dans la politique et dans toutes les sphères de la société. Le monde spirituel a un impact. D'où nous pouvons comprendre que à un certain niveau, l'influence de la famille peut prôner. À un certain niveau, l'influence de la nation peut prôner. À un certain niveau, l'influence du continent peut prôner. Mais à un certain niveau, c'est l'influence du monde spirituel qui prône dans la vie de tout un chacun. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc l'ignorance du monde spirituel ou de la proximité avec le monde spirituel te fera subir des actions positives ou encore négatives. Si tu ignores les réalités en rapport avec les mondes invisibles, c'est très dangereux de négliger le monde spirituel. Et la Bible est en train de dire que tout ce que nous voyons tire origine de là-bas, tire origine dans ce monde invisible, dans ce monde où il n'y a pas de chair. C'est de là que tout ce que nous vivons tire origine. Si j'étais conscient de ces choses depuis longtemps, mais j'allais déjà commencer à m'intéresser au monde spirituel pour éviter des mauvaises surprises. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui subissent des choses parce que le monde spirituel est brouillé encore dans leur vie. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir aller plus loin dans la vie ou dans le système sans avoir connaissance du monde spirituel. Il y a un niveau où les études permettent à ce que tu sois stagiaire, tu aies un CDI, tu sois assistant, tu deviens directeur. Mais à certains niveaux, si toi-même tu ne veux pas t'intéresser, on te dira stop. Ici c'est réservé aux initiés, ici c'est réservé à des hommes et des femmes qui connaissent ce qui se passe au-delà du voile. Alléluia. Alléluia. Tout le système est influencé par le monde spirituel. Et en rapport avec le monde spirituel, il faut savoir qu'il n'existe pas deux mondes spirituels ou trois mondes comme souvent on l'entend les dire. Il existe un seul monde spirituel. Il existe un seul monde spirituel, mais qui est réparti sous des cieux. Vous verrez dans Job 1:6, la Bible est en train de parler que l'Éternel était dans son conseil et Lucifer s'approcha pour parler des gens, parce que ce n'était pas des mondes différents. C'était dans un même monde, parce que très souvent, Lucifer a accès par l'approbation des dieux à son conseil. Alléluia. Alléluia. Si Dieu veut te briser, si Dieu veut te faire passer par certains déserts, l'instrument numéro un, il appelle Lucifer, il le fait entrer dans les conseils, il lui dit touche à ses biens, touche à toutes choses, mais ne touche pas à sa vie, parce que derrière Dieu sait que je suis sur le point de donner à un Job la double portion de ce qu'il avait. Alléluia. 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 Et dans le monde spirituel, nous n'avons qu'un seul monde, mais réparti sous des cieux. Parce qu'en réalité, nous avons trois cieux dans l'univers. Le premier ciel, c'est ce que Jésus est en train de dire dans Matthieu 6:26. Regardez les oiseaux du ciel. C'est le ciel où nous sommes. Dans la tradition hébraïque, on appelle ça aussi le ciel de la création. C'est le premier ciel. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le deuxième ciel. L'apôtre Paul est en train de parler aux disciples d'Éphèse. Il est en train de leur parler des princes de l'air entre le troisième ciel et le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est où se situent les princes des ténèbres, c'est où se situent les princes de ces mondes, c'est le quartier général de Satan. Quelqu'un se posera la question, mais comment Satan est arrivé là? Parce que lorsqu'il avait été précipité, la loi de la terre, d'après Psaume 126, stipule à ce que les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre est la terre des hommes. Lorsque Lucifer a été précipité, il ne pouvait pas vivre sur la terre parce que Lucifer n'avait pas de corps. Il devait avoir un corps pour vivre sur la terre. Mais parce qu'il n'avait pas de corps, il a décidé de se stationner au deuxième ciel et de libérer des démons qui vont habiter des corps qui sont sur la terre afin d'avoir un aperçu sur la terre. Et il se positionne au deuxième ciel entre le troisième ciel et le premier ciel
aussi pour faire office des douanes spirituelles, pour voir quels sont les colis qui sont en train de passer, quelles sont les prières qui sont en train de passer, si ces prières sont rattachées à des lois, si ces prières sont rattachées à des alliances, si ces prières sont rattachées à des hôtels, afin de les bloquer ou de les laisser passer. Voilà pourquoi lorsque Daniel était en train de prier, il a vu sa prière être suspendue au deuxième ciel, parce que Daniel, lorsqu'il était en train de prier, il était en train de demander à Dieu quelque chose en ignorant les réalités du combat spirituel. Et Lucifer a vu que Daniel était ignorant du combat spirituel. Il a vu aussi que Daniel ne connaissait pas les parler en langue pour les brouiller. Il a suspendu la prière de Daniel et il fallait qu'un ange du ciel vienne afin de les dédouaner par ordre de Dieu. Alléluia. Et on a aussi le troisième ciel où Paul est en train de parler. Dans 2 Corinthiens 12, 12, il est en train de dire, « Je connais un homme qui est monté jusqu'au troisième ciel. » C'est le trône de Dieu. C'est le trône des décisions. C'est là où Dieu décide sur nos vies. C'est là où Dieu décide sur toutes choses sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et au commencement, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, l'influence dont Hébreu est en train de nous parler, ce n'était qu'une influence qui provenait du monde spirituel de Dieu et du monde spirituel de Dieu à la terre. Parce que Dieu avait créé la terre. Dieu avait créé la terre. Il avait, du premier au cinquième jour, il crée tout ce qu'il y a à créer. La terre était encore sous sa possession. Lucifer était déjà précipité, mais il n'avait pas l'influence. Son cieux à lui ou encore son quartier général n'avait pas encore influence sur les systèmes de la terre en rapport avec la pensée de Dieu. Et lorsque Dieu crée l'homme, la Bible est en train de déclarer qu'il crée l'homme à son image. Parce que Dieu savait très bien que s'il créait l'homme à l'image des anges, Lucifer est supérieur à certains anges. S'il créait l'homme à certaines images, ça devait être incompatible. C'est pour cela en créer l'homme. Il a pris toutes les dispositions nécessaires afin que celui qui sera créé soit de très loin supérieur à Lucifer. Afin que celui qui sera créé puisse être au-dessus de Lucifer. Alléluia. Et jusque-là, Satan n'avait pas influence sur la terre. À cette époque, on ne parlait pas de guerre, on ne parlait pas de pauvreté, on ne parlait pas de tout ce que vous traversez, on ne parlait pas de maladies, parce que ce n'est pas la pensée de Dieu que quelqu'un tombe malade. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu que quelqu'un soit appauvri. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu que quelqu'un traverse des difficultés. Vous imaginez un si grand Dieu créer le ciel et la terre, créer un grand Éden pour installer deux hommes. Qu'est-ce que Dieu allait faire avec les richesses de la terre? Il a donné à des hommes. La pensée de Dieu, c'est que les hommes puissent réussir. La pensée de Dieu, c'est que les hommes puissent avancer. Alléluia. 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 Et lorsque Dieu, il crée l'homme, il installe à Éden. Dieu prend l'homme, il installe à Éden. Il faut noter ici que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, les animaux, Éden n'existait pas encore. Éden a été créé pour placer l'homme. Éden était le quartier général de Dieu pour placer l'homme. Je ne sais pas vous dire si tous les animaux de la terre étaient entrés à Éden ou certains étaient restés à l'extérieur, mais ce que moi je sais, c'est que Éden était comme une ville, comme Viltaneuse, où Dieu a pris les hommes qui étaient sur la terre, sur la création, et les a installés afin que là, à partir d'Éden, à partir de son fief, que l'homme puisse commencer à dominer, que l'homme puisse commencer à assujettir la terre. Je crois dans ma théologie que l'homme sortait de temps en temps d'Éden afin de créer les routes. Je crois dans ma théologie que l'homme sortait de temps en temps afin de piloter la terre, afin de mettre en place des infrastructures, parce qu'on parle du nord d'Éden, on parle de l'est d'Éden, on parle des pays comme des nôtres. Je crois que c'était l'homme qui avait fait ce travail-là. Et même la profession de Caïn et d'Abel, des cultivateurs et des bétails, je crois que c'était aussi dû à l'influence des choses qu'ils avaient trouvées. Alléluia. Alléluia. Et Dieu place l'homme à Éden afin que l'homme puisse dominer, afin que l'homme puisse apporter de l'impact. Et à ce niveau-là, l'influence ne concernait pas encore Lucifer. Mais comme Lucifer savait très bien, de la même manière que Jacob, qui porte son nom, il savait très bien que l'autorité peut être volée, que l'autorité peut être arrachée. Lucifer et Jacob savaient très bien que l'héritage peut être transféré, alléluia, par les moyens de l'ignorance de la révélation. Lorsqu'on est ignorant de la révélation, l'héritage peut être volé. Lorsqu'on est ignorant de la révélation, l'autorité peut être volée, alléluia.
et Lucifer et Jacob ont opéré de la même manière. L'ignorance d'Ésaü, qui allait tout le temps au champ, a fait en sorte que Jacob lui propose les potages des roues afin de les ravir l'héritage. Et Lucifer, sachant que Ève était ignorante, il lui propose les pommes d'Adam afin de lui arracher l'héritage. Et celui-ci a mangé le potage des roues, l'autre a mangé les pommes d'Adam, et les deux ont perdu l'héritage, et le monde est entré dans le chaos. Et Lucifer a arraché l'autorité d'Adam. Alléluia. Et lorsque Lucifer arrache l'autorité d'Adam, la Bible est en train de dire plus loin que Dieu chasse l'homme, il chasse la femme. Mais on ne montre nulle part où Dieu est en train de chasser le serpent qui était dans le jardin. Tout simplement parce que les richesses d'Éden étaient transférées au serpent. Voilà pourquoi vous verrez dans Matthieu 4, la Bible est en train de dire que Lucifer, que le diable, il transporta Jésus du haut de la montagne afin de lui proposer le monde, afin de lui proposer les richesses. Mais la Bible est en train de dire Lucifer était précipité. Lorsqu'on te précipite, tu n'as pas le temps de prendre les richesses. Lucifer n'était pas un habitant de la terre, c'était un habitant des cieux. Où est-ce qu'il avait eu ses richesses? Parce que ses richesses, c'était des richesses d'Éden qu'il avait arrachées à l'homme. Alléluia. Et il a voulu les présenter à Jésus, parce que même Jésus, lorsque Jésus échange avec lui, vous ne verrez nulle part où Jésus dit à Lucifer que ses richesses ne t'appartiennent pas. Mais Jésus lui fait comprendre que c'est plutôt les droits de l'adoration qui ne t'appartiennent pas. Mais les richesses, c'est à toi. Alléluia. Voilà pourquoi Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, examinez les révélations, examinez les prophéties, examinez les informations, parce qu'en ignorant certaines choses, on peut arracher l'héritage. Alléluia, alléluia, l'héritage peut être arraché, l'héritage peut être arraché. Et depuis là, le diable a eu une influence directe sur l'homme. Le diable a eu une influence palpable sur le monde visible. Alléluia. Satan n'avait aucun projet. Le projet de Satan, c'était d'apporter une influence négative. Lorsque Jésus est en train de dire aux disciples, dans Matthieu 24, il leur dit, vous entendrez le bruit de guerre, vous entendrez un pays combattre avec un autre. C'est parce que Jésus était conscient de l'influence de ce que Satan avait et que Satan a sur le monde visible. Alléluia. Et depuis lors, le système, ou encore le premier ciel que nous vivons, a été impacté à tous les niveaux. Les gens ne pouvaient plus vivre pendant longtemps. Des familles se séparaient. Des pays étaient en guerre. Les affaires parfois ne réussissaient pas. Tout était devenu sous l'influence aussi du monde des ténèbres. Alléluia. Le système mondial avait reçu aussi un impact du monde des ténèbres. Parce que au-delà de ça, vous verrez que Adam lui-même affirme cela en allant lorsque Dieu le découvre ou lorsqu'il pêche, il va se couvrir du figuier. Or le figuier, c'est l'image de la malédiction et de la sécheresse, parce qu'il ne lui restait plus rien. Il est allé se mettre le figuier. Voilà pourquoi Jésus l'avait maudit, je crois, parce qu'il avait pensé à Adam. Alléluia. Et l'homme et Satan a eu une influence sur les systèmes. Satan a eu une influence sur les familles. Il a eu une influence sur le couple. Il a eu une influence sur le groupe des gens. Vous pensez vraiment normal des frères et des sœurs, nés d'une même mère, mais nés d'un même père, se séparer, ne pas se parler et s'entretuer. Alléluia. C'est parce qu'il y a une influence que nous ne voyons pas. C'est parce qu'il y a une influence que nous n'expérimentons pas. Vous pensez vraiment que dans la pensée de Dieu, Dieu veut à ce que des jeunes puissent mourir? Je suis de ceux qui croient que Dieu n'a jamais la pensée que des jeunes puissent mourir. Parce que toutes les résurrections de la Bible n'ont jamais été des résurrections des vieillards, mais des résurrections des jeunes. Alléluia. Et ces choses doivent encore nous révolter pour qu'on comprenne l'influence du monde spirituel, mais notamment du monde des ténèbres et du monde de lumière. Mais le problème était beaucoup plus que ça. Dis avec moi, le problème était beaucoup plus que ça. Le problème allait au-delà de ce qu'on peut voir. C'est que
Au-delà du fait que l'homme était déjà en inimitié avec Dieu, l'homme était mort en esprit. Au-delà du fait que l'homme était chassé du jardin, au-delà de tous les contextes qu'on peut donner toujours aux réalités du monde spirituel, le problème majeur, c'était que celui qui avait influence au système du monde, ce qu'on appelle Lucifer, il n'a jamais été créé pour avoir de l'influence sur les systèmes. Lucifer n'a jamais été fait pour pouvoir dominer sur les systèmes. Alléluia. Le problème, c'était que Lucifer a commencé à opérer dans un terrain qui ne lui était pas destiné. Alléluia. Lucifer a commencé à opérer dans un domaine que Dieu ne l'a même jamais instruit. Parce que Lucifer, il faut noter que c'est d'abord une créature. Lucifer, c'est d'abord une créature. La différence qu'il y a entre le royaume des ténèbres et le royaume de lumière, c'est que le royaume des ténèbres a à sa tête celui qui a été créé. Créé avec des imperfections, créé avec des perfections. Mais le royaume de Dieu a en sa tête celui qui vit des siècles et des siècles, celui qui vit des générations en générations, celui qui a traversé des âges, celui qui était, qui est et qui sera, celui qu'on appelle Jéhovah Yamashia. La différence qu'il y a entre le royaume des ténèbres et le royaume de lumière, c'est que Lucifer n'est pas omnipotent. Lucifer ne peut pas être partout au même moment. Lucifer n'est pas omniprésent. Lucifer n'est pas omniscient. Voilà pourquoi il a mis en place des autorités, des princes de l'air et des autorités dans les lieux célestes. Le monde des ténèbres travaille par connexion, par interconnexion, par infiltration. Lucifer dans son trône, il ne peut pas être partout. Voilà pourquoi il envoie des émissaires, voilà pourquoi ils envoient des démons, ou vous entendez même, on parle des esprits de filature, des esprits de radar. C'est parce que Lucifer est limité. Alléluia. Mais le royaume de Dieu a en sa tête celui qu'on appelle l'omniscient, celui qui connaît toutes choses, celui qui connaît toute la science. Le royaume de Dieu a en sa tête l'omniprésent, celui qui peut apparaître à 500 frères au même moment, celui qui peut être en Afrique maintenant, il peut être en Asie maintenant, il peut être en Océanie maintenant, il peut être en Europe maintenant. Le royaume de Dieu a en sa tête celui qui traverse les temps, celui qui traverse les temps, celui qui vit d'éternité en éternité. Le royaume de Dieu a en sa tête le créateur de l'univers, celui qui a dit que la terre soit, celui qui a dit que les oiseaux naissent, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé les eaux, celui qui a créé les herbes, le Dieu tout-puissant, celui qu'on appelle El Shaddai. Alléluia. Et Lucifer n'avait pas été créé pour ça. Et il a eu une influence sur le monde visible, sur les systèmes de la terre. Parlons un peu de lui. La Bible est en train de dire qu'au ciel, il exerçait dans les temples en tant que sacrificateur. Lucifer était sacrificateur dans le trône de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible est en train de dire, je crois que c'est d'ici qu'on va couler, la Bible est en train de dire que le modèle du temple, les modèles qu'il y avait dans le ciel, c'est le même modèle qui a été reproduit sur la terre. Les modèles qu'il y avait dans le trône de Dieu. Dieu amena Moïse en vision afin de voir les modèles dans son trône. J'ai pris ce soir que Dieu amène quelqu'un dans une vision, que Dieu transporte quelqu'un dans une vision afin de voir comment au ciel on réussit dans les finances, afin de voir comment au ciel on réussit dans les études, afin de voir comment au ciel Dieu orchestre la ligue des champions des hommes sur la terre. Alléluia. Lucifer était dans la sacrificature céleste. Mais lorsque vous lisez dans Exode 28, à partir du 17e verset, lorsqu'on parle des sacrificateurs, on est en train de parler des tenues des sacrificateurs. Dis avec moi des tenues des sacrificateurs. Dans les tenues des sacrificateurs, on est en train de parler de ce qu'on appelle le pectoral. Le pectoral, c'était dans la tenue des sacrificateurs, c'était à peu près là dans le thorax.
C'était issu des pierres. Il y avait 4 rangées dans le pectoral, avec 3 pierres chacun, qui faisaient 12 et qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Les sacrificateurs envoient en eux la puissance pleine sur le peuple de Dieu, la puissance pleine sur les enfants de Dieu. Les sacrificateurs avaient des pectorales qui leur donnaient le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. Qui leur donnait la puissance. Dis avec moi la puissance. Qui leur donnait l'impact. Dis avec moi l'impact. Qui leur donnait la gloire. Dis avec moi la gloire. Mais lorsque vous lisez maintenant Ézéchiel 28, à partir du 12e verset, on est en train de parler aussi de Lucifer. On est en train de dire, en effet, il était sacrificateur au ciel. En effet, il avait en lui le pectoral. Mais lorsque vous voyez, regardez le pectoral de Lucifer, vous verrez que ce pectoral n'était pas 12, mais c'était 9. Ah, Sha'ayakaba. Le pectoral de Lucifer, dans le pectoral que portait Lucifer, il en manquait 3 pectorales. Qui signifiait que Lucifer avait des puissances en manque. Ayaba. Je suis venu dire à quelqu'un que Lucifer a des puissances en manque. Aya. Je suis venu dire à quelqu'un qui manque à Lucifer des choses. Je suis venu dire à quelqu'un qui manque à Lucifer des capacités. Et parmi les pierres qui manquaient à Lucifer, d'après la prophétie de Jacob, dans Genèse 49, il y a 3 pierres que Lucifer n'avait pas. La première pierre, c'est ce qu'on appelle l'opale. Dis avec moi l'opale. La première pierre, c'était ce qu'on appelait l'opale. La deuxième pierre, c'était l'améthyste. Et la troisième pierre, c'était l'agate. Je commence par la troisième et je finis par la première. L'agate est rattachée à la tribu d'Aser. L'agate est rattachée à la tribu d'Aser. L'agate avait pour signification prophétique l'accès à la loyauté. L'accès à la royauté. Parce que Lucifer n'avait pas d'agate. Il ne pouvait pas accéder à la royauté du monde. Il ne pouvait pas régner sur ta vie. Il ne pouvait pas régner sur tes problèmes. Est-ce que tu peux déclarer avec moi ce soir? Je déclare au nom de Jésus que Lucifer n'a pas le droit de régner sur moi. Il n'a pas le pouvoir de régner sur moi. Il n'a pas le pouvoir de régner sur moi. Et la deuxième paire qui manquait à Lucifer, c'est ce qu'on appelle l'améthyste. L'améthyste a été rattachée à la tribu d'Issacar, qui avait une signification prophétique de porter le fardeau. Parce que Lucifer n'avait pas les capacités de porter le fardeau des hommes sur la terre. Parce que l'homme n'était pas à son image. Voilà pourquoi tu ne te soucieras pas d'un enfant de voisin plus que ton enfant. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que Lucifer, il n'a pas le droit de porter le fardeau de tes échecs. Il n'a pas le droit de porter le fardeau de tes problèmes. Car la Bible déclare, venez à moi, Ayaba, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, ce n'est pas à Lucifer. Ce n'est pas à Lucifer, mais c'est à moi le Christ, c'est à moi le Messie, que vous devez déposer vos fardeaux, parce que vous êtes à mon image. La Hachaka, est-ce qu'on peut prier en langue 30 secondes? Le Gashata, Rapashata Rabba, Le Shkatata Baya, Le Shatata Rabba, La Shikote, Yishata Rabba. Prie en langue pendant 30 secondes. Je sens Dieu ce soir. Troisième pierre qui manquait à Lucifer, c'est ce qu'on appelle l'opale. L'opale était rattaché à la tribu de Gad. L'opale était rattaché à la tribu de Gad, qui avait la signification de la victoire. Voilà pourquoi Lucifer, il pouvait donner des coups à Dieu au jardin d'Éden, mais recevoir un cacao à Golgotha. Je suis venu dire à quelqu'un que Lucifer n'a pas la victoire sur ta vie. Que Lucifer n'a pas la victoire sur tes problèmes. Je déclare ce soir que Lucifer n'aura aucune influence sur toi. Parce qu'à Golgotha, il a reçu un chaos. À Golgotha, il a reçu un chaos. À Shatakabayaba. Voilà pourquoi
C'est à cause de ses imperfections, c'est à cause de ses limites que Jean 3,16 affirme que Dieu n'a pas tant aimé l'homme, Yabashata. Dieu a tant aimé le monde parce que celui qui avait l'influence n'était pas capable. Et il envoya son fils afin que les habitants de l'Europe, afin que les habitants de l'Afrique, afin que les habitants de l'Asie, afin que les habitants de l'Océanie puissent croire en son nom, 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 et recevoir en eux, Satan, l'esprit du royaume, et recevoir en eux l'esprit de la transformation. Parce que Dieu a commencé par se soucier du monde. Parce qu'un monde transformé, ayant en son sein des hommes morts, un monde transformé, ayant en son sein des hommes qui n'ont pas la vie, n'ont pas de sens, n'ont pas d'impact. Voilà pourquoi Christ devait venir, afin de regarder les hommes de la terre, de lui donner leur vie, de leur dire, prenez ma vie, je vous donne ma vie. Parce que vous êtes à la terre, parce que vous êtes à la terre, que vous puissiez dominer, que vous puissiez apporter une influence positive sur les nations, une influence positive sur les règnes de la terre, une influence positive sur les systèmes de la terre, une influence positive sur la gloire à venir. Voilà pourquoi il a dit, ne quittez pas Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem, pas parce que vous serez enlevés, pas parce qu'il y a un avion qui vient vous prendre, mais afin que l'esprit du royaume, l'esprit compatible à gérer les familles, l'esprit compatible à gérer la politique, l'esprit compatible à gérer les affaires, l'esprit compatible à gérer les arrêts médias, l'esprit compatible à gérer dans toutes les sphères, se repose sur vous, se repose sur vous, se repose sur vous, afin que vous soyez mes témoins. Parce que les problèmes du monde ne seront jamais résolus par des licenciés en droit. Les problèmes du monde ne seront jamais résolus par des licenciés en économie. Les problèmes du monde ne seront jamais résolus par des hommes qui ont beaucoup étudié. Parce que nous sommes de retour en Égypte. Nous sommes de retour en Égypte où la saison des vaches maigres s'annonce. Où la saison des vaches maigres s'annonce. Où les morts ne font que s'accumuler. Et il faut quelqu'un comme Pharaon qui pouvait dire, où est-ce que nous trouverons des hommes et des femmes qui reposent sur nous comme Joseph, un esprit du royaume. Et je suis venu dire à quelqu'un, c'est le temps de l'esprit du royaume. C'est le temps de régner dans toutes les sphères. C'est le temps d'apporter un impact. On reste debout. Les kasha. La pachita, ishata kabaya, le biplage, la baba basha, la baba basha, yere baba basha. L'esprit du royaume est là ce soir. L'esprit du royaume est là ce soir. L'esprit du royaume est là ce soir. L'esprit compatible, l'esprit compatible, l'esprit compatible, ishata.